Alors cet exercice rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle Engager les communautés dans la gestion des frontières, financé par le gouvernement des États-Unis. Le but de cet exercice de simulation, c'est de pouvoir donner aux autorités l'occasion de tester leur capacité de réponse à une crise transfrontalière. Ça leur permet en fait de travailler la coordination entre les différents corps de forces de défense et de sécurité, et également voir comment ils peuvent compter sur les communautés accueillantes pour relayer l'information. Il y a eu des déplacés d'un pays vers un autre ici, où le fleuve Niger au niveau de Tillabéri constitue la frontière naturelle. Et parmi ces gens, il y a des personnes vulnérables, il y a des femmes, il y a des personnes blessées, il y a des enfants non accompagnés, il y a aussi des hommes. C'est pas évident, hein. Mais j'imagine sans simulation comment on allait faire pour s'en sortir. Donc c'est un bon exercice. Nous sommes en train de les évacuer vers le site provisoire prévu. Les femmes, les blessés, les enfants et ensuite les autres. Donc nous allons vraiment prioriser les personnes vulnérables. Vous êtes avec elle? Oui. Donc il faut passer. Il faut passer, puisque vous êtes. Laissez passer, laissez passer. Couro. Il y a combien de femmes là? Il y a deux femmes. Thank you.